Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa ses diamants. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon point de croix marque-page avec la société Ville Cross Stitch que j'ai eu le partenariat et je suis très contente car j'avance bien. J'ai déjà fait tout ça. Très agréable à faire, j'aime beaucoup. Donc on va continuer ensemble. J'espère que vous allez bien. Alors, où j'en étais. Et ben, on va continuer. On va faire le rouge, je pense, ou le beige. Tiens, on va prendre du beige. On va changer un peu. C'est le numéro 5. Et le numéro 5, c'est 38-61. Alors, le numéro 5, c'est celui-ci. Voilà. Ça me change, c'est très agréable à faire. Comme c'est une toile un petit peu plastifiée. Voilà, je pousse ça parce que j'en ai pas besoin. Je prends deux brins parce que c'est du 11 CT. Je prends deux brins. Du 11 CT, du 14 CT, pardon. J'ai des bêtises, moi, en plus. Alors, comment allez-vous? Moi, ça commence à aller mieux. Normalement, je reprends le travail lundi. Ça va me faire drôle. Il fait gris chez moi. Alors, j'ai oublié de mettre la lumière. Il y a 10 jours, on était bientôt en t-shirt et on a eu là, au début de semaine, on a eu la neige, le vent. Il a gelé jusqu'à moins 5. Le temps est fou. Tant que les seins de glace sont pas passés, de toute façon. Voilà. J'ai mis mon fil. Alors, le numéro 5. Tac, tac, tac. On va être par ici, les deux. Là. On va être là. Voilà, c'est ça. Alors, je fais mon point et je vous rapproche après. Un petit bout de fil derrière. C'est vrai que le point de croix a pris un petit peu le dessus sur le diamant de painting. J'aurais pas pensé. Parce que vous savez que ça fait 2 ans et demi que je fais du diamond painting et je suis très 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 accro. Et alors je fais du diamond painting le matin et après l'après-midi je fais en général que du point de croix. Si j'ai des moments de libre, le soir aussi je fais que du point de croix. On est à 2. Donc, après, encore 2 en bas. Ma fille est en vacances vendredi. Voilà, elle est en vacances, elle est un petit peu fatiguée. Comme vous le savez, on a tous été bien malades ici. Moi, je tousse encore. Hein, c'est le matin surtout, je tousse et j'ai le rhume encore. Enfin, le nez qui coule, c'est. Mais je tousse vraiment. Ça fait comme si c'était tombé sur les bronches. C'est. Ça fait très très mal. Je remercie la société Vip Cross Stitch pour leur confiance. Je suis ravie. J'aime beaucoup cette boutique. D'ailleurs, j'ai fait une commande moi-même, enfin, hors partenariat. Et c'est vrai que
J'aime beaucoup cette boutique, ils ont un large choix, aussi bien en 14, en 11, en accessoires, en sac, les aiguilles, les marque-pages. C'est vrai qu'on a un large choix. Alors, 2, 3, encore 2 en bas. Vous avez vu? J'aime beaucoup les fils et ils sont bien brillants. Ils sont très agréables à broder. Au début, ça surprend la matière de la toile. C'est très agréable. Chouchou! C'est mon chat. J'ai dit tiens, je voulais faire du point de croix. J'ai dit tiens, je vais filmer. Comme ça, je vais parler un petit peu avec mes abonnés. Alors, après, c'est 3. Il me semble. Oui, c'est ça. 3. Alors du coup, mes diamond painting n'avancent pas beaucoup, mais bon, j'ai fait ma case gorgeous du mois de mars calendrier. Là, j'ai bien commencé le mois d'avril. Sinon, je vais pas retoucher. Si j'ai fait un peu ma gorgeous de chez Color Red, je crois que vous avez fait une vidéo. Voilà, 3, ensuite on redescend et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, ouais, c'est ça. Faut que je vous fasse voir aussi, j'ai fait un autre modèle point de croix. J'ai entamé un autre en cours. J'ai toujours ma gorgeous que j'ai bien avancée. Bien avancé ma gorgeous. Mon cadeau de Valérie. J'en suis peut-être pas à la moitié, mais presque, je pense. Faut que je vous la remontre. Alors, pour la gagnante du concours que j'avais fait, Virginie, ton colis part aujourd'hui. Je suis désolée pour le retard, mais j'ai eu deux, trois petits empêchements. Donc, voilà, je t'avais laissé un mail pour te le dire, que tu t'inquiètes pas. 4. C'est ça. 5. Le sixième. Je vais rentrer mon fil derrière parce qu'il me gêne et ça m'agace. Là, je n'ai pas le choix de faire comme ça. D'habitude, je ne fais pas comme ça. Je fais mes points d'arrêt et je rentre aucun fil derrière. Mais là, avec cette matière-là, je n'ai pas trop le choix pardon, de faire comme ça. Je vais pas y arriver, évidemment.
faire quelque chose, on n'y arrive toujours pas. Quand on filme, voilà. C'est parfait. Et hop. Pardon. Pour ceux qui mettent les écouteurs, excusez-moi. J'ai tapé mon ciseau. Je sais que c'est désagréable. Alors, excusez-moi. Voilà, j'ai remis mon fil. Comme ça, on va pouvoir y aller. Alors, on en était au 6 en dessous. Et il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. Vous avez vu? On commence à avoir apparaître la tête du gnome ici. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à vous de laisser des petits pouces bleus et des gentils commentaires. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Après, je vais vous tourner une petite vidéo unboxing. Normalement. Alors, 4, 5, ah. Ah, j'ai mon doigt qui s'est accroché dans le fil. Ça fait de la misère. Alors, qu'est-ce que ça a fait? Et bien voilà, c'est parti. Hop, on va remettre l'aiguille. J'aime bien que les fils soient de la même longueur. Oui, c'est dans ma tête ça. Voilà. Alors, 4. J'ai un problème là, c'est quoi ce bazar? Excusez-moi, un problème de fil. Voilà, normalement ça devrait être bon. Si je prends les deux fils, c'est mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, bah décidément. Je vais changer mon fil hein, si ça continue. Non, voilà. Pardon, j'étais pas dans le champ. 5. Voilà, alors, faut que je revienne en arrière pour en faire deux. Alors moi j'aime bien que ça soit propre, donc je rentre mes fils. Voilà. Deux. Un. Et deux. Là, normalement, ma couleur, ça devrait être bon par ici. Je n'ai plus de 5. C'est ça. 1, 2. Tu.
Alors, je suis désolée pour les personnes qui attendent la vidéo du point de croix avec du fil de soie. Pour l'instant, je suis pas très à l'aise, donc j'attends d'être plus à l'aise que ça pour vous filmer vraiment correctement. Parce que alors là, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Faut que je trouve le geste pour le faire correctement. J'ai envie de commencer. Mes poissons. Alors, faut que je m'entraîne. Mais je pense que je vais m'acheter de la cire d'abeille déjà dans un comment ça s'appelle? Dans un support. C'est en plastique. J'ai vu ça que c'est. On pouvait trouver ça sur AliExpress et ça serait peut-être plus facile pour passer les fils à l'intérieur. Que je voie ça. Vous avez vu là le fil tout en a rien de temps. Puis tout à l'heure j'ai mis 3 heures à mettre un fil. Alors j'en étais où avec le numéro 6? J'avais fait les 2-2. Ok, donc là il m'en faut 3. Oui. C'est ça. Oui, je cause beaucoup quand je fais du point de croix compté. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je cause beaucoup à moi-même, même quand je filme pas. J'en ai fait un petit peu hier soir, devant la télé. C'est pas très compliqué ça, donc il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Y a pas trop de détails. Voilà, 3. Après, il me faut 2. Et après, 2. Il m'en faut encore 2. Plus, il n'y a pas du tout de point arrière. Je pensais qu'il y aurait du point arrière, mais non, il n'y en a pas. Du backstitch. 2. Et ensuite, en bas, 3. Voilà. Ouais, déjà 20 minutes. Bah dis donc. 2. Ça passe vite.
pense que vous aurez cette vidéo aujourd'hui ou demain. Voilà, deux. Ensuite, encore deux et un. Deux. Je voulais vous dire aussi, je suis très fière. Ma fille, elle a eu son permis. Elle a eu 18 ans au mois de décembre. Elle s'est vraiment mise à fond. Elle a eu son permis. Elle est très contente. Et je suis ravie pour elle. Je suis très fière d'elle. Alors, si elle regarde cette vidéo, je sais que des fois, elle regarde mes vidéos. Je te fais de gros bisous, ma fille. Je t'aime. Et je suis très, très, très fière de toi. Deux. Alors, je ne vais pas faire de bêtises. 3, 2, 2, 1. Ah, j'ai fait des bêtises. Voilà, je vous cause et j'ai fait des bêtises. C'est pas très grave, je l'ai vu. Il y a un tout seul avant de faire les deux. J'ai vu que ça faisait pas pareil. Ouais, ça fait bizarre de se dire que sa fille a le permis. Ça y est. J'ai déjà deux grands hein, qui ont 23 bientôt et 22 bientôt. Et j'ai encore une petite dernière qui a 12 ans. Alors 1. Et j'ai 1 an. Voilà. Voilà, alors deux maintenant. Que j'ai fait? Non mais Vanessa, ça va pas ta tête. J'ai piqué en long. Non mais. J'entends les oiseaux malgré la grisaille. Voilà. Alors j'avais dit quoi? Un et après deux, c'est ça? Oui. Voilà. Je pense qu'après je vais vous laisser là. Je continuerai un petit peu dans mon coin. Il est 10 h. Bon, j'ai en train de cuire, ma vaisselle est faite. Il faut que je donne un petit coup d'aspirateur quand même. Deux. Alors.
je repique là, que je remonte 1, 2, 3. Il faut que je remonte 3 fois. Ça paraît pas, mais c'est vrai que par rapport au diamond painting, hein, c'est plus long. Hein. On dit que le diamond painting est long, mais du point de croix, c'est très très long. Enfin, ça, c'est du point de croix compté, encore plus. 2. Et après, je vais remonter de 1, 2, 3. Nous irons au bois. J'avais envie d'être drôle. Je vais finir ces points et après je vais finir mon petit bazar. Et ben voilà. Voilà ce qu'on a fait ensemble. On a fait ça, on a fini ça, on a descendu là, tout le marron, le marron, le marron, et on est remonté là, faire la barbe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Merci encore à la société Big Crop Stitch pour leur confiance. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de petites choses. Voilà, et je vais vous dire une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde !